La magie du cinéma réunit de nouveau les passionnés du Festival international du film de Marrakech. C'est ce qu'a souligné le prince Moulerchid, président de la fondation du Festival international du film de Marrakech. La 19e édition se tient du 11 au 19 novembre. Dans son traditionnel éditorial en présentation de la nouvelle édition, le prince Moulerchid indique que cette crise sanitaire mondiale a engendré des séquelles considérables sur notre écosystème, aussi bien au niveau national qu'international. Le jury du festival est présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino, qui se penchera sur une compétition officielle où, une fois de plus, le cinéma du monde brillera à travers les premières et secondes œuvres de réalisateurs qui façonneront le cinéma de demain, précisé le prince Moulerchid. Nous avons visionné cette année 800 films, 800 longs métrages que nous avons discutés, débattus, et cette sélection est vraiment née des échanges que nous avons eus, du plaisir que nous avons eu à découvrir ces films et des échanges que nous avons eus autour de ces films, avec évidemment toujours en tête l'idée de surprendre le public avec des propositions qui nous paraissent fortes, et puis aussi de proposer toutes ces fenêtres sur le monde en termes de sujet, en termes de genre de cinéma, puisqu'on présente cette année du documentaire, des films d'animation, des films de fiction, du cinéma de genre qui va vers même le cinéma d'horreur. Donc cet éclectisme qu'on recherche au cours de ce processus de sélection, mais encore une fois, c'est ce dialogue qui nous a réunis pendant ces mois de travail qui donne ce résultat-là. Et maintenant, cette sélection ne nous appartient plus, elle appartient au public et on a très envie que le public s'en empare pour en débattre.